Nous partons, il est 9h et nous partons de la réserve naturelle des Tobago Cay où nous avons passé 4 nuits super, super, super. C'est vraiment une réserve extraordinaire et ils font bien de la conserver pour les générations futures hein. Parce que c'est vraiment magnifique. Et nous allons pas très loin, c'est ça qui est bien dans les Antilles. On va d'île en île et on va aller juste en face, une petite heure. Et voilà l'île de Canoan. Et voici un confrère qui se prénomme Black Pearl. C'est une famille dont Caroline et Claude nous ont parlé. Et ils font le grand voyage également. Ils ont des enfants à bord, comme nous. Nous voilà arrivés sur l'île de Canoan, où se trouve l'aérodrome, où s'y posent que des jets, des petits coucous. Des jets privés, etc. Des bimoteurs, monomoteurs. Là, nous avons nos amis Caroline, oui, Caroline et Claude. Et Seapearl se trouve tout là-bas. Et c'était pour vous montrer. C'est incroyable. Une marina complètement artificielle. Où il n'y a personne. Je dis bien personne. On a navigué avec le dinghy. C'est effarant. Il y a deux voiliers et un bateau moteur où il pourrait y avoir au moins 200-300 bateaux. Il n'y a personne. Sinon le mouillage est super. Et on a des deux côtés. La dernière fois, nous avions mouillé tout là-bas où il y a un récif. Il y a. Bon, je vais y retourner d'ailleurs. Parce que c'est super beau. Je vais plonger avec les bouteilles. Voilà, voilà. Ah, c'est pour l'emmagasineur, pour le Genec. Ok, maman, elle va partir faire du paddle pour la première fois. Tu lui mets. Tu... Oui, lâche. Tu te le mets autour du poignet ou autour de la cheville. Kiki, c'est son premier cours de paddle. Avec des amis de mouillage. On est toujours à Bécoué. Allez, on va aller faire un petit au revoir à qui ? À nos amis. À Tom et Sunlight. À Tom et Sunlight. Ils sont en face. Ah.
On s'y croit en Polynésie là. Salut, c'est le départ. Allez. C'est Juliane qui a la barre. Ouais, c'est ça. Ouais, elle avance, elle apprend plus vite que moi. À janvier 2024. Allez, bye bye. Et merci. Merci pour cette rencontre. Merci pour les cours et tout. Désolé pour le gâteau. Au revoir. Salut. Merci beaucoup. Merci. Alors, le capitaine. Eh oui, c'est toujours triste, hein, ça fait une semaine que nous sommes ici. Une semaine déjà. Ouais. Ils étaient bien, hein. Vraiment magnifique baie, hyper bien protégée, nous avons fait plein de connaissances. Kiki aussi, les enfants ont joué avec des amis, des bateaux copains. Et là on se rend à Saint-Vincent. Alors on voulait faire de comme on avait fait à Cariacou, le plein, on n'a vraiment pas beaucoup consommé. On voulait aller à Blue Lagoon, mais bon, pour ce que nous avons à remplir dans les cuves, c'est pas la peine. Je le ferai à notre arrivée pour remplir à fond pour l'hivernage, du coup. Sea Pearl. Donc là, on va se rendre Cumberland Bay. Voilà. Donc on a une petite nave de 3h30, 4h. Donc là, on est à 12 nœuds de vent. Et on marche à 5 nœuds. Et voilà Saint-Vincent. Le vent monte à 14 nœuds de vent apparent. Et nous filons à 6-5 Royal. La mer est très belle. Dehors. Alors j'ai installé avec Nounou le Genek, mais je craignais au niveau des canaux entre les deux là des surventes. J'ai préféré ne pas le mettre, mais on avance très très bien. Seapearl se comporte merveilleusement bien. Et on a mis les cannes à l'eau en espérant avoir une touche. Navigation très agréable. Il y a une baleine. Oh, c'est une baleine. Non, mais il y en a un autre là-bas. Hein. Ah oui, c'est une baleine. C'est une petite baleine.
baleine. Un baleineau. Ouais, c'est un baleineau. C'est un baleineau, mais j'ai vu la mer plus loin là-bas. Et nous voilà arrivés à notre prochain mouillage qui est Cumberland Bay, au dire de Navili. C'est un très beau mouillage. Et nous avons nos amis tout là-bas, essentiels. Ils sont presque dans le poteau noir. Ils n'avancent pas, les pauvres également. Nous on est à la voile mais au moteur. On aurait pensé mettre le Genek, mais franchement le vent nous a lâchés. Bon, ben, il y a deux katas et on va se mettre au sud de la baie du coup. Allez, Kiki est prête avec la télécommande pour l'ancre. On va piocher, hein? Ouais. Allez, ça marche. Et on va d'abord affaler cette grande voile. Waouh, c'est tout joli. Deux katas, deux voiliers, et bien il va y avoir un troisième kata. Il y a déjà quelqu'un qui nous attend. En plein milieu. Waouh, elle est jolie cette baie. Avec ses hautes collines là. On a le marché à domicile là, on vient d'acheter. Des braves gens sont venus là. On vient d'acheter ceci là pour 20 ici. Hello. Hello. I have some red fish. Huh? Des fish? Yeah. Nice fish. I can clean them for you, no problem. Ah. C'est des petits fish. Ah. Après il en a en bas. Il en a caché. Yeah. Kiki, il propose du poisson. On en a. Nous avons quitté Saint-Vincent-et-les-Grenadines ce matin, 8h30. Et nous arrivons à Sainte-Lucie où nous allons mouiller. Alors ça se voit pas parce que il fait vraiment pas beau. Ça arrive de temps en temps, hein, les Antilles c'est pas que du soleil. Il y a des gros nuages, des grains et en ce moment il y en a. Nous allons tout droit aux deux pitons. Nous allons prendre une bouée, c'est obligatoire. Et à ce qui paraît c'est magnifique. J'espère que le soleil va percer. On verra bien tout ça. La navigation a été bonne, mais bon, on a été essentiellement au moteur avec le Foc. On avait pensé pouvoir mettre le Genek, mais bon. À un moment donné, il y a eu 2, 5, 3 de devant, il n'y avait que dalle. Donc, on s'est fait aider par les deux moteurs. Voilà, et on avait affalé la grande voile parce qu'elle n'arrêtait pas de claquer. Donc, ça l'abîmait plus qu'autre chose. Hein. Voilà. Double arc-en-ciel. Alors je sais pas si ça se voit sur la caméra, mais il est à 100 mètres. Là, il est à 100 mètres de nous. Il vient de pleuvoir.
un tout petit grain et il y a un double arc-en-ciel là. Waouh, on est béni des dieux. Juste au pied de la falaise du Petit Piton à Sainte-Lucie, c'est pas merveilleux ça? Parce que c'est tellement majestueux. Magnifique. Au petit matin. Alors Océane, qu'est-ce que tu fais? Je dessine sur la tablette. Tu dessines sur la tablette? Vas-y, montre-moi, qu'est-ce que c'est? Ah, une petite fille numérique. C'est avec des codes couleurs, c'est ça? Allez, on a mis la grande voile. Et Kiki, qu'est-ce qu'elle fait, Kiki? Je m'amuse. Je t'amuse. J'ai fait mon petit... Waouh! Mon petit livre avec l'itinéraire, les cartes que j'ai récupérées à droite à gauche. Dans les... Des petits commentaires, etc. Tu les as récupérées où, tous ces fascicules? Dans chaque île où on est allé. Ben oui, je le sais bien. Et donc ça c'est pour les souvenirs. C'est ça pour plus tard. Oui. Eh oui. Bon et Vincent, on a mis les cananos. Ouais ben j'adore ça. Ah oui. Allez, on file à quoi là? On a 10 nœuds devant, apparent, 4 nœuds. C'est pas grand chose, mais bon, on avance sans les moteurs, c'est déjà pas mal. Et on quitte donc, nous avons mouillé. Là, et c'est les deux pitons de Sainte-Lucie. Nous y avons très bien mouillé. Les rangers sont venus nous prendre 54 ici pour la bouée, parce que c'est un parc naturel. Voilà. Et nous voici à Rodney Bay. Au nord de Sainte-Lucie, il y a du vent. Il y a des rafales jusqu'à 25 nœuds de vent là. Donc là-bas se trouve le marin, notre destination finale. Parce que les vacances vont bientôt prendre fin. Les vacances. Eh oui, les bonnes choses ont toujours une fin. C'est comme ça. Donc on va mouiller là. Et on va mettre du gasoil, on va faire le plein pour la saison 2. Donc il faut surtout pas laisser ces réservoirs vides, voire à moitié, voire même à 80% remplis. Il faut les mettre full pour éviter justement la condensation. Et qui permet également, et ce qui va permettre, s'il y a condensation, les germes, etc., etc., les algues, les poux, etc. Donc il faut vraiment les mettre full, et moi je mets après un produit anti-algues qui permet justement de limiter la prolifération dans les cuves. Donc ici c'est nettement moins cher, c'est à peu près 45 centimes de litre de moins qu'au marin. Donc on va en profiter pour mettre le plein. Voilà. Donc on va manger, on va mouiller. On va manger, il est quelle heure là? Il est ici 14h. Et on file mettre le gasoil. Et on réfléchit si on part, on lève l'ancre ou pas pour le marin. Parce que dans deux jours, il y a une. Pas une dépression, mais bon, il y a quand même jusqu'à 25-30 nœuds de vent. Donc. Dans les canaux, ça peut aller jusqu'à 10% de plus par rapport en rafale. Donc, j'ai pas trop envie de me le taper ça. Donc, c'est soit cet après-midi, soit demain matin. On va faire un point météo avec Kiki. Voilà, voilà. Le petit point. Et voilà. Nous quittons Sea Pearl avec grand regret. 21 août. Bon, ben on va faire dernier. C'est le grand départ. Le grand départ. Kiki, elle a peur de louper l'avion. Voilà, bon, ben on a bien ferlé.
la grande voile, on l'a bien pliée. On a enlevé tout ce qu'on a pu au niveau des drisses. Voilà, on a enlevé le foc. D'ailleurs, on a mis cadenas. On a enlevé également toutes les drisses. Voilà. Voilà. Là, on a tout mis pour que ça aère le maximum. Le frigo qui reste ouvert. Voilà, on a mis même un absorbeur d'humidité. On a levé toutes les cales. Voilà. On a mis également les matelas à la verticale pour que ça aère également. Voilà. Voilà. On n'oublie pas de fermer toutes les passe-coques. Là, c'est fermé également. C'est fermé. On a vidé également la cuve, le récipient d'eau. Voilà. Nickel. Ça aère. Il faut aérer. Là, on est côté bâbord, on est tribord, on éteint ce qu'il y a à éteindre, voilà. Ça, c'est notre chambre. Voilà, les passe-coques également sont fermées. Là, les deux sont fermés également. On a asséché également le récipient où il y a tout ce qui, toutes les eaux qui s'y mettent quand on prend notre douche, etc. La passe-coque est fermée également. Voilà, nickel, c'est une affaire qui roule. Et bien, si Pearl, on te revoit dans 4 mois. Ça fait bizarre. Allez, on ferme. Allez. Voilà, un bateau hiverné. Tiens, prends la bouteille. Je t'ai dit de la mettre dans ton sac à dos, moi je peux pas la mais prendre. Prends-la pour l'instant. Voilà. Ah, il est beau, si Pearl. On le revoit que dans 4 mois, c'est incroyable. J'y crois pas encore. 4 mois. Il va falloir lui faire les moustaches. Il va falloir lui faire les moustaches. Allez, mon chéri, reste à l'abri. À très bientôt. Un pincement au cœur. Ouh, un pincement au cœur.